بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et j'ai envie de vous raconter une super belle histoire qui a été racontée par un de nos savants contemporains. Wallahi l'azim, qu'elle est très émouvante. C'est l'histoire d'un homme qui a dit à sa femme: et si on allait manger dans un restaurant? Elle lui répondit: non, je te propose plutôt d'aller le demander à une autre femme. Moi, je ne mange pas au resto avec toi. Va manger au resto avec une autre femme. Il s'étonna. Il lui dit: je t'invite à manger et tu me dis de sortir avec une autre femme? Mais comment ça? Je ne suis pas de ce genre d'homme. Et quelle femme tu parles? Et de quelle femme tu parles? Elle dit: ta mère. Imagine la scène. Ta mère, je renonce aujourd'hui à ton invitation pour que tu invites ta mère. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas invitée à manger ou à se promener. Sors donc avec ta maman. Il lui dit qu'Allah te récompense. Et il a tout de suite appelé sa mère et lui a dit: maman, prépare-toi, je vais venir te chercher en voiture et on ira manger et se promener ensemble. Sa mère ne l'a même pas cru. Sa mère ne l'a pas cru. Elle lui a dit: c'est vrai? Il lui dit: oui, par Allah. Viens aujourd'hui, on va manger ensemble. Entre nous, billah alaykoum. Qui d'entre vous parmi les frères mariés a déjà fait ça avec sa mère? Et effectivement, ils allèrent ensemble au restaurant. Et la mère s'est remplie d'amour, de joie et de bonheur. Pour elle, c'était un beau rêve. Peu lui importe la nourriture ou l'endroit où elle était, c'est-à-dire même manger par terre ou sur le trottoir ou dans la rue, le plus important, c'est qu'elle était avec son fils et que son fils était bienfaisant envers elle. Et qu'il ne l'a pas oublié. Qu'il ne l'a pas négligé en s'occupant de sa femme et de ses enfants, et elle passa un jour avec lui qui était l'un des meilleurs jours de sa vie. Elle lui dit au retour, l'homme dit à sa mère au retour: maman, t'es contente? La sortie t'a plu? Elle dit: oui, wallahi, c'était mashallah. Elle dit: oui, qu'Allah te récompense. Il répondit: inshallah, je le referai. Elle dit: non, inshallah, la prochaine fois, l'invitation viendra de moi. Il lui dit inshallah. Et des semaines et des mois passèrent. Le frère a été occupé, puis sa mère tomba malade et mourra. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Son fils était très triste. Et quelques jours plus tard, il reçut une invitation au restaurant pour lui et une autre personne, et cette invitation était déjà payée. Étonné, il se demanda de qui vient cette invitation déjà payée. Il est parti alors avec son épouse au même endroit où il avait mangé avec sa mère, et là, une lettre l'attendait de la part de sa mère. Il avait écrit: mon cher fils, qu'Allah te récompense, je t'avais promis de t'inviter au même endroit pour manger, mais tu étais souvent occupé. Et maintenant, je tiens ma promesse et je t'invite avec ta chère épouse, qu'Allah vous récompense. Wallahi mes frères, la valeur de la mère, elle est très sacrée. Faut pas la mettre en colère. Cette histoire d'amour entre cette épouse et sa belle-mère est magnifique. J'espère que nos frères et sœurs vont tirer des leçons de ce genre d'histoire d'amour entre les épouses et les belles-mères et d'essayer de reproduire ce qui se reproduit dans cette histoire. C'est qu'après le décès de la mère qu'on connaît sa valeur. Votre mère, si elle a envie, profitez, embrassez-lui ses pieds. Demandez-lui pardon pour les manquements, pour les mauvais comportements. Vous récolterez le succès, Inch'Allah.